Bonjour à tous, déplacement à Lisbonne pour la Green Team. Je suis avec Jérôme Chauvet, directeur général de l'USM Nîmes-Gare. Jérôme, un match sans enjeux, mais il va falloir être sérieux. Ouais, les enjeux peut-être sont plus de notre côté. Ces derniers temps, on a quelques difficultés dans notre handball et je pense qu'il faut saisir cette opportunité avant de se relancer sur les matchs de Coupe de France, sur ce huitième de finale. Il faut reprendre de la confiance dans notre handball. On avait assez bien maîtrisé le match aller en les gagnant de plus 6. Attention, une équipe compliquée dans le contexte. Je pense que Lisbonne a un public chaud et donc on va vivre, je pense, un match très intense. Et ensuite, il va falloir savoir prendre les choses par le bon bout, à savoir qu'en attaque, cette équipe a une qualité de tireur de loin avec leur arrière droit, mais aussi beaucoup de joueurs très mobiles qui mettent beaucoup de continuité dans leur jeu et qui mettent beaucoup aussi de percussion et de vitesse dans leur course. En défense, c'est une équipe qui a beaucoup d'intentions défensives et qui n'hésite pas, suite à leur défense de base qui est en 0-6, à beaucoup se déformer avec des montées inversées de leur numéro 2 et à passer quasiment à un 5 qui a comme but stratégique de nous renvoyer dans un jeu, je dirais, individuel. Et c'est là où, l'enjeu du match va se situer. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir perdre le fil de l'enchaînement collectif des choses et ne pas jouer un jeu purement individuel. Merci Jérôme. Nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Salou. Mathieu, après le match nul de ce week-end, dans quel état d'esprit se déplace l'équipe ? Revanchard. On se déplace tous avec l'envie de, je pense, d'oublier le match de vendredi et de tourner la page et de se concentrer sur ce qui arrive. Il va falloir se méfier, Lisbonne a besoin de points, leur qualification est encore possible? Oui, ils ont besoin de points. Après, nous, on est venu ici en déplacement pour chercher la victoire, pour oublier un peu le match nul de la semaine dernière et préparer le match de Saint-Raph de samedi. Donc non, nous, on est venu ici pour gagner et on sait que ça va être compliqué, mais on est prêt. Mathieu, au match aller, vous aviez réalisé une grosse prestation à domicile. Quelles vont être, selon toi, les clés pour remettre ça chez eux? Comme tous les matchs, beaucoup de combativité, d'énergie, d'envie. Et je pense que ça va passer par une grosse défense et jouer propre en attaque.